bons enfants de la patrie, on va botter des culs sur FIFA. On va tous les enculer, car je suis un PGM sur FIFA. Yo tout le monde, c'est Manitude Player, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette équipe de France, les gars. Ouais, on représente notre pays. Et puis voilà, j'ai fait cette équipe parce que j'ai envie de tester Lacazette, Sif et Griezmann. Sif qui vont certainement prendre un up. Et après, il y aura moyen de faire du bon bénéfice sur eux. Donc voilà, une nouvelle petite équipe de France. C'est vrai que j'aurais pu mettre des joueurs comme Pogba, que je devrais même absolument mettre. Mais bon, voilà, j'ai décidé de laisser l'équipe telle qu'elle est comme ça. Peut-être que je la changerai plus tard. Et puis voilà, on va faire des petits matchs comme d'habitude. Alors, voyons voir son équipe. 82 de notes. Une Liga BBVA. Attention, Chicharito. Oh, la frappe, l'arrêt de Lloris. Oh, c'est pas fini. Oh merde. On encaisse notre premier but. Deuxième minute sur une erreur défensive. On va essayer de se rattraper. Bien joué, Guilavogui. C'est bien joué. Oh, la casette, la récupération. Bien joué face au gardien. L'arrêt de Casilla. Et pas Casillas. Allez, corner. Cabella. Dépose-la sur le crâne de Mangala. Encore un deuxième arrêt de Casilla. Oula, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait le défenseur. Il a traversé le filet là. Ah bien joué, allez la casette. Oh sur la barre, dommage. C'était bien joué. Il fait le show là. Ah oh, Rames, oh, on est chaud. Oh c'est bien joué ça entre Griezmann et la casette. Le duo, la casette face au gardien. Et où? Oh non, comment tu peux rater ça la casette? Comment? Comment la récupérer? Eh ben non, c'est la mi-temps. On perd 1-0 même si on domine le match. C'est vraiment dommage parce que il est pas mauvais mais on domine plus le match. Bon même si les stats ne le prouvent pas mais voilà. La casette. On repique dans l'axe. La casette la frappe. Dommage, je crois que ça fera un corner. Et ouais. Allez, pour Cabella. Allez, tire un bon corner mon gars. Allez pour la tête de Mangala, c'est peut-être pas fini. La casette. Oh là là, mais c'est pas possible. Ça fera un autre corner. Elle est toujours tirée par Cabella. Allez. Allez, Alessandrini. Oh là. Attention. Carlos Vela sur le côté droit. Il dribble. Il repique dans l'axe pour Isco. C'est bon, tranquille. Allez, on relance. Contre-attaque. Allez, la casette. On est obligé de la mettre pour Griezmann. On va faire tourner un peu pour Niang. Niang, la belle passe pour Griezmann. Griezmann le centre, la casette. Oh, le but de gag, mais il y a but quand même. Et c'est ça qui est bon, c'était bien joué. Allez, prends la balle. Voilà, transperce le filet au passage. L'action était franchement belle. On a bien mené notre contre-attaque. Bon, après, le but un peu gag, hein, mais bon, je pense qu'on le mérite quand même. Avec vu tous les arrêts qu'il a fait, ça fait un partout. Allez. Cabella, quelle passe pour la casette, vas-y à la vitesse mon gars, la casette face au gardien, et le doublé de la casette, c'est magnifique, il est bon ce la casette, il est bon, et ça fait 2-1, franchement, il a su montrer sa vitesse, là, surpasser Juan Fran, je crois, qui est quand même assez rapide là, il a tenu au physique, et après le petit plat du pied, et ça fait le 2-1, c'est parfait. Xavi, attention, il fait des belles passes, Isco, oh là là, mais ça lui revient dans les pieds quoi. On n'a pas de chance. Isco qui égalise. Allez, Varane. Oh non, l'arrêt de Casilla. Allez, là, il y a moyen, là. Il y a moyen. Allez, la casette. Allez, la casette. Allez, la casette. La casette. Non, c'était pour piquer. Non, dommage. On aurait pu marquer. J'aurais dû tirer. J'aurais pas dû tenter la PES. Ah, franchement, là, je suis dégoûté. Parce que ce match, on méritait largement de le gagner. Mais bon, on a quand même eu un bon Lacazette avec un doublé. On espère avoir pour le deuxième match un bon Griezmann, ce serait pas mal, histoire de vous illustrer un peu ce bon duo. Parce que qui se ressemble, ça semble, ils ont à peu près les mêmes stats, même contribution, même étoile de geste technique pour VP et tout. Allez voilà, fini de blablater, on passe au deuxième match.
Ok les gars, donc pour le deuxième match, j'ai décidé de faire un petit changement sur l'équipe, passer en 4-2-2-2 et mettre Pogba en milieu défensif et Benzema vu qu'il a l'air vraiment bon. Donc voilà, allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite pour le deuxième match. Alors il y a une équipe 85 de notes, une grosse Bundesliga, Lewandowski, Rush, Schweinsteiger, Alaba, Boateng, ouais, une grosse Bundesliga. Guilavogui, il fait partir la casette avec la vitesse dans la surface, la casette, et voilà, le 1-0, c'est bien joué, la casette est de retour. Cabella, sur le côté gauche, il va repiquer dans l'axe, Cabella, la frappe, ouh, le poteau rentrant, magnifique, Rémi Cabella, il est chaud ce Cabella, il est exceptionnel, on va revoir cette frappe. Sur le ralenti, je pensais pas qu'elle allait rentrer au début. Voilà, Cabella qui a bien débordé. Rentré dans l'axe et une frappe vraiment magnifique. Poteau rentrant 2-0. Ah ouais, le tacle. Ouais. Penalty. Tacle de Varane dans la surface là. Et Schweinsteiger, évidemment. Dans chaque FIFA. Enfin, dans ce FIFA, pardon. Et tu fais un tacle sur le joueur. Il fait un salto arrière 3-6 backflip. On sait pas pourquoi, mais bon. Penalty concédé. Allez, Lloris peut l'arrêter. Allez, vas-y. Compte sur toi. On compte sur toi, Lloris. On reste au milieu. Et bien joué, ça. Et Cabella part. Allez, Cabella. Face au gardien, le plat du pied. 3-0. Doublé de Cabella, c'est magnifique. Ah, Rashkit. Attention, 3-0, 28ème, elle a mis pause, rush kit. Ah bah non. Bon bah mi-temps, on domine largement ce match, 9 tirs à 4, la défense est vraiment super bien au point et l'attaque, bah voilà, j'ai rien à dire à part que c'est parfait. Allez Cabella. Oh non. Oh Cabella, il était trop chaud, dommage, je l'avais vu dans la lucarne. Guilavogui. Long shot Guilavogui. Oh, magnifique Guilavogui. Exceptionnel. Je mets que des long shots avec des joueurs avec 62 tirs. C'est magique. Guilavogui, regardez-moi ce long shot. La récupération de balle au milieu de terrain, un petit crochet et une frappe exceptionnelle dans la lucarne. Guilavogui, mais oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Il a que 62 tirs, hein, ou un truc comme ça, quoi. Exceptionnel. Allez, la casette. Oh, la grosse faute. La grosse faute. Et carton rouge. Et en plus, ça donne un bon coup franc. Et carton rouge pour Mehdi Benatia. Et là-bas. Ah, c'est pour Benzema. Oh, le gros tacle. Oh, le gros tacle. Il va se prendre un deuxième carton rouge, je pense. Mais déjà, il y a penalty, ça, c'est sûr. Et ouais, deuxième carton rouge. Ce match, c'est n'importe quoi. Allez, carton rouge pour David Alaba. Là, je pense qu'il doit être sur les nerfs, le mec. Là, je pense qu'il en peut plus. Se prendre un long shot de Guilavogui, je pense que ça a dû bien lui taper sur le système. Ah non, il y a même un coup franc. Bon, vous savez quoi? On va le tirer avec... Allez, Pogba. Pogba. Oh, sur la barre, dommage. Griezmann, et pour la casette, et le 5-1, magnifique. Mais en même temps, il a plus du tout de défenseur. Hein. Là, le match est plié. Hein. 5-1, 89e minute, 2 cartons rouges pour lui. C'est facile, on déroule tranquillement. Et voilà, match terminé. 5 buts à 1, victoire totalement méritée, domination exceptionnelle. On peut dire que ce fut un très très beau match. Non, plus sérieusement, Guilavogui long shot. Voilà, franchement, l'équipe là était vraiment parfaite sur ce match. Bon, l'adversaire était pas très bon, je vais pas le mentir. On a eu aussi un très très bon Cabella. Et puis voilà, on se finit sur une belle victoire. Je vais aller faire un... Ouais, j'ai Guilavogui 9,8. Regardez-moi les notes quand même. Ouais, il y a vraiment de très très bonnes notes. Et c'était vraiment un très beau match. 19 tirs à 9, j'ai beaucoup tenté de long shot. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et à tester cette équipe tout simplement, même si elle coûte un peu cher, Guilavogui, hein. Regardez, 63 de tir, je suis tenté, pas 60,
et qui nous met un long shot. Voilà, c'est tout simplement magique. J'ai bien fait de changer l'équipe et de la passer comme ça. Et puis voilà, donc c'était Magnitude. On se dit à très très vite. Bye tout le monde.